Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un tag. Désolée, je suis dans ma salle de bain, c'est là qui a le plus de luminosité. Donc le tag as-tu peur de Juju Loustic. Question 1. Le cheval te tourne le dos au box, as-tu peur? Ça dépend lequel, par exemple dans mon club il y a Junior, il tourne le dos, il fait genre il est trop méchant, mais une fois que tu le tiens ou que tu le brosses, et eh ben il est gentil. Genre il botte un peu, mais non, ça va. Donc ça dépend. 2. Le cheval que tu dois monter a une réputation de foufou. As-tu peur? Au début, un petit peu, j'appréhenderai. Mais le problème, c'est que si je me dis, peut-être qu'il fait le foufou avec des gens qui savent pas le monter. Mais après, si avec moi, bah, je stresse pas. Donc, ça devrait le faire. Donc, ça irait. 3. Ton cheval ne veut pas que tu le sangles et tente de te mordre. As-tu peur? Pas du tout, parce que ça m'arrive tout le temps et ça me fait pas du tout peur. Au pire, tu lui mets une petite claque sur le nez et c'est bon. 4. Arrivé dans la carrière, il fait froid, le vent se lève et ton cheval piaffe d'impatience. As-tu peur? En fait, je me dis que si j'avance, il va péter, mais si je le retiens, il va péter. Donc, au pire, vaut mieux le laisser avancer. Peut-être qu'il va m'embarquer, mais au pire, je me dis il va se vider que si je le retiens et qu'il explose. Voilà. 5. Ton mono te dit tu vas monter un jeune. Ton mono te dit que tu vas monter un tout jeune cheval pour sauter. As-tu peur? Pas spécialement parce que j'ai déjà monté Under qu'à 6 ans ou 7 ans. Et qui était dans un champ et j'ai sauté 60 cm avec. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est déjà bien. Il a déjà sauté 1 mètre. Donc, ça dépendrait de l'âge. Mais j'appréhendrai un tout petit peu le début, mais après, ça irait, je pense. 6. Le cheval que tu montes est impatient et double tout le monde. As-tu peur? Non, parce que au pire, il a... Enfin, genre, en fait, Under... Je vous en parle souvent. La dernière fois, au bout de 5 minutes de course, je suis tombée parce que j'étais derrière un Toby. Et j'étais derrière Toby. Et en fait, Toby avançait pas. Enfin, la fille le faisait pas avancer. Et lui, il faisait droite-gauche, under. Et moi, je m'en suis pas rendu compte. Et d'un coup, il s'est mis à doubler. Moi, j'étais au pas, tu sais. Vous savez, j'étais trop en mode détendu. Et il s'est mis à doubler au galop. Il a sauté les obstacles du milieu. Alors moi, j'étais... En fait, je suis tombée parce qu'il m'a foutu un coup de cul et pam, il m'a baissé la tête. Donc, au pire, ça dépend lequel, mais sinon, tu le recales avec un coup de cravache au pire pour lui dire, c'est bon, t'arrêtes. Voilà. 7. Un élément nouveau se trouve en bordure de carrière. Ton cheval fait plein d'écarts, as-tu peur? Non. 8. En balade, ton cheval sait que vous allez galoper, il chauffe et tire, as-tu peur? C'est comme pour comme la question 4. Je me dis qu'il faut le laisser avancer, mais je pense que j'aurai un peu les boules, surtout en balade. 9. Au galop, le cheval que tu montes lance des ruades. As-tu peur? Non, parce que ça m'arrive souvent. Enfin, pas souvent, mais des fois, tout le temps. Genre, mercredi dernier, j'ai monté framboise, elle m'embarquait et elle me pétait. Donc, voilà. 10. Quand tu vas au club, est-ce que tu sais qui tu montes? Et est-ce que t'as peur? As-tu peur? Nous, on sait jamais qui on monte. Et moi, quand j'arrive, j'ai tout le temps la boule dans le ventre. Je me dis, putain, elle va me donner qui et tout. J'ai toujours une boule, même si je sais que c'est peut-être un chouchou ou quelque chose. J'ai toujours une boule, mais c'est... Voilà, quoi. Et donc, nous, en fait, genre, elle a le cahier, elle fait, tu vas monter ou qui tu veux? Elle demande, donc ça va. C'est une bonne monitrice. 11. Ton mono monte les barres d'obstacles. Tu n'as jamais franchi cette hauteur. As-tu peur? Non, parce que s'il m'envoie dessus, c'est que j'ai le niveau et que je peux le sauter, donc non. 12. Tag 5 personnes. Alors, je tag Love de chevaux. Je tag... Je tag Mademoiselle Horse, mais je pense qu'elle l'a déjà fait. Et je sais pas si tu passes par là. Je tag qui d'autre? Miss Divine, j'aime bien aussi. Je vais pas taguer So Horsey, Juju Loustic, parce que je pense pas qu'elle passe par là. Je tag tout le monde qui veut le faire. Voilà. Et le tag était super, et voilà. Et c'est Juju Loustic qui l'a inventé. Voilà.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu et bisous.